Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode nous rendre à Cocorico, j'ai failli dire à limite, pour acheter. Pardon, pendant que je tousse, une couronne florale pour l'emmener au désert. Et ainsi aider la troisième adulte qui essaye de rencontrer un Voi à dépasser ses craintes, à surmonter ses craintes, voilà plutôt. Ses peurs et appréhensions. Sanctuaire de Makasula. Au passage, retourner à Cocorico, ça fait du bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on va aller voir si Prua va bien. Non, c'est pas Prua, c'est Paya, pardon. Elle recommence. Il y avait quoi dans les journaux, dans le journal déjà? Quand grand-mère m'a dit un jour tu es grande à présent, blablabla, ça on l'avait vu. Bien trop grand pour moi. Heureusement qu'un voyageur n'était blessé. 5 vestiges de forme. Peu après, grand-mère m'a annoncé qu'elle devait partir en voyage. Son départ à plus tard. Arrêter de la mission. J'ai trouvé 11 dessins étranges dans les livres que lisait grand-mère. Ils ont un rapport avec son départ inopiné. C'est tout simplement les... Du coup, elle avait déjà les dessins, c'est ça que ça veut dire. Elle avait les dessins des... Comment ça s'appelle? Des géoglyphes. Et quand ils sont apparus, elle a forcément eu envie d'enquêter. Elle s'est retrouvée surprise. Elle s'est dit quoi? C'est bizarre, j'ai déjà les dessins, ça apparaît maintenant, c'est chelou. Hop, bla bla bla, c'est les vestiges circulaires, y a pas un truc, une quête ou quoi? Non, je crois pas, hein. Non. Donc je me rends compte, l'isolement dont nous souffrions a été brisé. Je comprends bien mes fonctions d'une façon différente de celle de grand-mère. Ok. Hop. Avait déjà tout lu, il n'y a rien de nouveau je crois. Pourquoi il y a des grenouilles? Des gars là. Alors c'est pas les mêmes grenouilles, ok d'accord. Ah c'est peut-être ce journal là. Recueil de soucis. Et effectivement, les dalles de pierre des vestiges circulaires sont fraîches et fermes, on y dort merveilleusement bien. Après ça je n'arrivais plus à dormir dans un lit normal ou même dans un lit moelleux. J'y repenserai une fois que j'aurai fait un somme. J'ai absolument besoin d'un ingrédient qui guérisse le mal des miasmes. Ça, c'est fait. Les monstres dans les vestiges circulaires de la colline occidentale m'empêchent de continuer mes recherches. Y aurait-il quelqu'un dans les parages qui serait capable de les chasser? Ça aussi, c'est fait. J'espère que ce n'est pas grave si j'utilise ce journal sans être du village. Je me demande où les cocottes pondent leurs œufs. Elles avaient l'habitude de le faire devant ma boutique, mais depuis peu, elles disparaissent chaque matin et vont pondre ailleurs. Ça m'embête car les œufs sont très demandés par les clients. Ah! Ok, ça on n'a pas fait. Il n'y a que maman qui a le droit de savoir où est ma cachette secrète. Alors personne n'a le droit de me suivre. Personne, sinon c'est plus un secret. Pas Pricota, lol. Ah. D'accord, donc il faut le matin suivre les cocottes. Il est quelle heure là? Il est 20h. Autant dire pas vraiment le matin. Quel mystère, t'as quelque chose à nous dire toi? Le vestige circulaire flottant a été la découverte majeure de ma carrière. Et si j'ai pu l'étudier, c'est en grande partie grâce à toi, Link. L'histoire de nos ancêtres est d'une richesse incomparable et nous devons la transmettre aux générations futures. Il va sans dire que cela doit être fait avec autant de fidélité que de précision. C'est avec cet objectif en tête que je vais continuer mon travail de déchiffrage des textes Sonao et d'étude des vestiges. Je te remercie pour tout ce que tu as rendu possible, Link. On a des photos, je dois me concentrer, qu'est-ce que tu me dis, Paya? Je suis heureuse que mes connaissances aient pu être utiles au professeur Taureau et à son collègue. Je considérais qu'il a relevé de mon rôle de chef de m'en consacrer à une étude approfondie des vestiges circulaires. Mais je m'y suis peut-être plongée avec un peu trop d'ardeur. Dorénavant, mon unique priorité sera la protection du village et le bonheur de ses habitants. En plus de prier pour votre sécurité, bien entendu. Je vous en prie, messieurs Link, prenez soin de vous. C'est très gentil de ta part, Paya. Bon. Toi, tu as des choses à nous dire, non? Aurais-tu trouvé une autre stèle? Si l'on croit la stèle que nous avons trouvée au fort de Guy, il en reste encore 10. Oh. Si jamais tu en trouves au cours, voilà, blablabla, l'image, blablabla. Tiens, regarde ça. Oh. Tu en as une, veux-tu bien me la montrer?
Bien, je vais traduire ça. Oh, ça ne fait aucun doute, nous avons affaire à un authentique texte épique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. La sœur aînée du roi Dame Mineru est si absorbée par ses recherches qu'elle en oublie de manger et de dormir. Je me fais du souci pour elle, mais je ne vois hélas aucune solution et j'en finis par lui parler. Dame Mineru m'a dit fabriquer un golem particulier qui lui permettrait d'exister lorsqu'elle n'aurait plus de corps. Elle a ajouté que son âme pourrait tout à fait prendre possession du golem à la place de son enveloppe physique. J'avoue ne pas avoir réussi à y croire. Cette inscription semble consacrée à Mineru. Elle était si absorbée par la fabrication d'une chose appelée golem qu'elle en oubliait de manger et de dormir. Ses recherches visaient apparemment à permettre à son âme de revenir à la vie après la perte de son corps. Une âme décharnée prenant possession d'un objet. À bien y réfléchir, on croirait presque une histoire d'occultisme. Mais qui sait, peut-être maîtrisait-il à l'époque les matériaux de mystérieux pouvoirs ancestraux dont nous ignorons tout. Effectivement, j'ai du mal à parler. Le fait que Mineru était une chercheuse me touche énormément, et en même temps, la tendresse qu'éprouvait envers elle, la suivante qui a rédigé ce texte, me fait chaud au cœur. Est-ce que ce serait vraiment, c'est vraiment une servante ou c'est pas Zelda carrément? Tiens, accepte ceci avec tous mes remerciements. Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout, Hyrule, j'en ai des frissons. Si on en croit la stèle que nous avons trouvée au fort de Guy, il en reste encore 9, j'en ai d'autres. Fantastique. Ta-da-da-da. Bien, je vais traduire ça. Ça ne fait aucun doute. Alors, une rumeur prétend qu'une étrange femme apparaît chaque nuit au château, et certains disent l'avoir aperçue. Ah, alors c'est peut-être Zelda, et effectivement, c'est pas elle qui écrit, c'est vraiment une suivante. D'après eux, elle aurait l'apparence de Dame Zelda, mais des yeux sans aucun éclat et le regard vide d'une morte. Ok, donc c'est pas Zelda qui écrit, mais ça, c'est la fausse Zelda. Dame Zelda a affirmé n'avoir aucun souvenir de telle rencontre. S'agirait-il d'un esprit maléfique ou d'un monstre? Tout cela est captivant, mais mon imagination s'emballe et m'effraie au point d'avoir du mal à dormir la nuit. Nous avons droit cette fois-ci à une très ancienne histoire de fantômes. Il y a des tas d'éléments que je n'arrive pas à bien déchiffrer, mais la teneur générale du récit reste évidente. On y parle d'une femme fantomatique qui apparaissait chaque nuit et présentait une ressemblance frappante avec Zelda. Quelle que soit l'époque, les récits de ce genre ont toujours eu tendance à se répandre à grande vitesse. D'ailleurs, si on en croit les journaux, notre Zelda, à nous, aurait été aperçue ici et là alors même qu'elle a disparu. S'agirait-il également d'un fantôme? En tant qu'archéologue, je me dois d'être rationnel. Oublie ce que je viens de dire. Mais non, mais c'est vrai en plus. Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Donc, faire cette quête des stèles avant de faire les autres histoires peuvent nous permettre d'avoir des indices sur la conception de l'histoire. Quand je pense que des choses... blablabla. Tiens, regarde ça, j'en ai encore. Alors, eh bien, je vais traduire ça. J'ai assisté au formidable spectacle du temple du temps s'élevant dans le ciel avec la terre qui l'entoure. Dame Zelda m'a dit espérer que, dans un avenir lointain, un héros y apparaîtrait pour sauver le royaume d'Hyrule. Ça, c'est nous. Afin d'aider moi aussi ce héros, j'ai gravé mon journal sur les stèles de pierre qui flottent dans le ciel. Elles m'ont été remises par Dame Mineru, la sœur aînée du roi, qu'un jour elles arrivent jusqu'au héros. Ça alors, j'en ai la tête qui tourne. Quelle formidable découverte. Nous avons ici le récit du jour exact où le temple du temps s'est élevé pour flotter dans le ciel. C'est un document extraordinaire qui révolutionne l'histoire d'Hyrule. Un récit nous montre que, même à cette époque où de bien étranges pouvoirs semblaient pourtant exister, le fait de faire flotter dans les airs des terres et des bâtiments restait malgré tout un exploit extraordinaire. Zelda avait prédit qu'un héros apparaîtrait dans un avenir lointain sur ces terres célestes et qu'il sauverait Hyrule. La suivante, convaincue par ses paroles, se mit en tête d'aider le héros en gravant toute cette histoire sur des stèles. Il semble que les stèles en question aient été créées par Mineru, qui les aurait ensuite fait flotter dans leur ciel. Ah, je suis tellement secoué que mes mains, mes jambes, tout mon corps tremble. Pardonne-moi, ce n'est pas très professionnel de ma part. Mais j'ai beau être archéologue, toute inscription dans ces inscriptions me touche par l'intensité des sentiments qu'elles véhiculent. Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Alors, autant j'aime beaucoup le scénario du fait que Zelda, elle soit retournée dans le passé et que dans le passé, elle a fait plein de choses pour que quand Link, dans le futur, il puisse avoir des éléments. Autant il y a quand même pas mal d'incohérences qui sont pas expliquées et qui n'ont pas vraiment d'explication possible, ou du moins cohérente, autre que ta gueule c'est magique. Parce que autant j'explique la disparition de plusieurs sanctuaires et de plusieurs tours par l'apparition ou la réapparition des crevasses, des abîmes, où je me dis que la plupart des tours étaient construites dans des abîmes. Et les abîmes étaient déjà là, elles existaient déjà à l'époque des Sonao. Donc les Shaika par derrière ont construit les tours
dans les abîmes pour peut-être une bloquer l'accès aux abîmes et deux avoir le moyen de les faire renfoncer dans le sol puisqu'il y a déjà un trou et deux de les faire ressortir. Donc ça c'est et les sanctuaires pareil, ils ont peut-être utilisé des abîmes pour créer les salles des sanctuaires. Par contre, le fait qu'ils aient disparu, ça peut être tout à fait expliqué par le fait que quand Ganondorf se réveille, il y a des miasmes partout qui il ressort les abîmes, ça réouvre les abîmes et ça détruit les structures. Pourquoi pas? On pourrait penser que ça les corrompt, ça les fait disparaître. La magie puissante de Ganondorf fait disparaître les sanctuaires, les crames quoi. Par contre, ce qui n'est pas explicable à mon sens, c'est que les grottes apparaissent. Bon, ça à la limite, pourquoi pas, pareil, hein, ça pouvait être camouflé, et puis ça c'est des tremblements de terre et autres, ça s'est refissuré, pourquoi pas. Mais ça c'est plus pour le gameplay, donc en soi c'est... On peut l'expliquer comme ça, mais ça change pas grand-chose. Surtout l'apparition de tous les coffres, la disparition de que Link n'ait plus aucune des tenues qu'il avait à l'époque. Et surtout les sanctuaires, les nouveaux sanctuaires, comment eux sont apparus. Parce qu'ils étaient déjà présents à l'époque de Raoru. Ça on le sait, on en voit certains dans certaines cinématiques. On sait qu'ils les avaient mis à l'époque de Raoru, ils avaient mis ça pour repousser le mal. Donc... Que ces sanctuaires soient déjà là à l'époque, mais que dans Breath of the Wild, ils n'y soient plus du tout, il n'y a aucune raison que les Shaikas les aient enlevés, c'est là où c'est un peu particulier. C'est un peu difficile. C'est plus comment les sanctuaires Sonau sont arrivés. Ou plutôt comment ils ont disparu dans Breath of the Wild. C'est là où moi j'ai un peu un souci dans le scénario. Toute la technologie Sonau, pareil, elle aurait pu être là avec... on pourrait penser que tout était dans le ciel, camouflé par la mer des nuages, entre guillemets, que Zelda ou que les dragons avaient mis pour camoufler justement ça et protéger les îles célestes de Ganondorf. À la limite, pourquoi pas? Ce qui serait expliqué par le fait que les dragons y rentrent dans la couche de nuages dans un espèce de trou dans Breath of the Wild, vous savez. Donc ça, ok, par contre... Du coup, que toute la technologie, lorsque ça s'est ouvert, ou que le cataclysme a eu lieu, bah tout est tombé, ok. Par contre, les sanctuaires, c'est chaud quand même, hein. Certains ils sont dans des grottes et tout. Eux, ils n'ont pas été enlevés par les Shaikars, je sais pas trop, vous voyez. C'est un peu particulier. Après, on s'en fout, hein, mais... Ça fait que, du coup, on perd un peu de lien entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, quoi. Mais c'est pas non plus dramatique, perso. Tu prends les deux jeux séparément... Avec des connexions, des liens, mais c'est pas des liens bruts, quoi. C'est des légendes. On est dans des légendes, donc c'est logique qu'il y ait des incohérences dans les légendes. Il faut voir ça du point de vue... C'est des légendes qui sont écrites du point de vue de ceux qui les vivent, mais avec... racontées par des générations plus tard, quoi. Peut-être. Enfin, bref. Si on en croit la stèle que nous avons trouvée, il en reste 7. Tiens, j'en ai encore. Alors, traduis-moi ça, texte épique. Raoru, le roi d'Hyrule, sa sœur aînée Dame Mineru, la reine Sonia et Dame Zelda, tous ces gens que j'ai tant aimés ne sont plus. Je suis là, toute seule, à graver mes mots sur cette stèle. Alors, Raoru est mort. Mineru est morte. Temps d'esprit. C'était qui l'autre? La reine Sonia, oui, bah, c'est la première à caner. Et Dame Zelda, elle s'est transformée en dragon. Génial. J'ai consigné la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Mon œuvre pour la postérité s'arrête ici. Quand je pense à ce que ces gens que j'ai aimés ont laissé derrière eux, toutes ces choses visibles ou invisibles, leur contribution à l'avenir ravive en moi une petite lueur d'espoir. Mes actions n'égaleront jamais celles de Dame Zelda, mais puis-je faire quelque chose pour mon peuple? Je crois que le but de mon existence sera désormais de trouver une réponse à cette question. C'est ici que semble se conclure le journal de la suivante. On ne sait pas son nom à la suivante. Apparemment... Les membres de la famille royale qu'elle avait servi avec tant de dévotion ont disparu. On ressent beaucoup d'émotion à la lecture de ces lignes, un sentiment de déchirement. Malheureusement, je ne suis pas encore en mesure de dire exactement ce qu'il s'est passé à cette période. Mais si nous poursuivons nos recherches, peut-être réussirons-nous à lever le voile sur ce mystère. Hop. Au mur du laboratoire? Ah oui, il en remet les histoires. Hop, je l'ai accroché au mur du laboratoire, reviens voir quand tu veux. Hop, parfait. Pote! Alors toi, t'as des vêtements qui coûtent une blinde, je crois. Hein.
C'est toi qui as ces vêtements-là, mais j'en ai plus besoin. J'ai pas besoin de la combinaison furtive. Hop. On l'achètera un jour. Hein. J'ai besoin d'habits, mais... Et non pas d'amis. Et grâce à toi, jeune homme, j'ai appris plein de choses sur le lointain passé d'Hyrule. En tout cas, cet enthousiasme n'est plus de mon âge, mais ça fait du bien. Je vais rester dans le coin et me balader, donc encore un peu de chance. Donc avec un peu de chance, on pourra encore discuter entre touristes. Bon, moi, je vais aller à l'auberge. On va aller suivre les cocottes le matin. Il est temps de rentrer. Oh non! Serais-tu à la recherche d'un souvenir de ta visite aux vestiges circulaires? Ouais, dans ce cas, je te recommande nos incontournables cercles floraux. Leur forme rappelle celle des vestiges circulaires, on dit qu'ils aident à lier deux destins ensemble. Notre centre n'est pas toujours ouvert, mais si tu le trouveras sous l'arbre qui pousse devant la maison de la chef. Tu le reconnaîtras facilement à la charmante jeune fille qui se tient derrière le tréteau. On va attendre. Alors. Pas se payer une auberge non plus. Pas déconner. Oh, je meurs de faim. Je vais suivre les cocottes. Pot, 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 pot. Alors ça donne quoi, ça pousse? Il y a des cocottes ici aussi. Pat 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 pat. Il y a de la mauvaise herbe. Il est joli les carottes. Bien foutu ça, ça prend de l'eau pour le moulin. Où est-ce qu'elles vont ces connes? Ok, les carottes elles montent. Les carottes, les cocottes. Elles prennent l'escalier. Je suis la cocotte, hein. Là il y a une grenouille. C'est une grenouille max, hein. On aura des yeux. Merde, j'ai perdu la cocotte. Non, elle est là-bas. Ouf, j'ai failli la perdre. Mais où est-ce que tu vas? Mais enfin, la poule, là, ça va pas du tout. Même Minerou, elle arrive plus à te suivre. C'est quoi ces poules? Qu'est-ce que quoi? C'est un giga, c'est ça? C'est un giga qui se transforme en cocotte. C'est la deuxième. Ce serait pas la première fois, hein. Il essaye de m'attirer au loin du village. Ah non. Oh. Cachette des cocottes. Ah oui, mais effectivement. Cocorico, ouais. Ah ben voilà. On sait où ils sont les œufs. Je vous pique tout. Papa, papa, d'accord. Ok, il y a un truc en dessous. Ok. Ne vous inquiétez pas les cocottes. Hop. Ça va être un vieux coffre de merde. Allez, l'usine c'est ici. Voilà. Arc de la dévotion. Il n'y a pas ni Yunobo. Ah si, voilà.
minéraux. Alors que c'est toi dont j'ai besoin. Allez, Yunubo. Enfin, juste Yun, du coup. Hop. Et hop. Un petit Illusis, parfait. Salut. Bon, bah les cocottes, on les a trouvées. Qui es-tu? Cordier, toi, je parie que tu fais du tourisme. Je peux même te dire que tu es venu voir la chef du village de Cocorico. C'est à elle que l'on doit la reconstruction du village. On dit que c'est une personne de grand talent. Ah pardon, je te tiens la jambe, mais j'imagine que tu as mieux à faire. Tu veux rejoindre le village de Cocorico? C'est simple, il suffit de suivre cette route. Mais je connais le village de Cocorico. Enfin, je suis pas un touriste. C'est un peu notre troisième maison, le Cocorico. La première, c'est les limites. Puis après, ça a été notre maison à E0. Puis là, c'est Cocorico. Parce que le château, on n'y a jamais vraiment vécu. Hein. Zelda, elle est venue chez nous après. Bon, alors. Hop. Les fleurs. Faut une couronne de fleurs, là, moi. Bah, évidemment, elle n'y est pas. Touloum, tralalalalère. Je dessine. Mais j'aime pas la pluie. Tu es venu admirer mes dessins. J'ai fait les vestiges circulaires et puis ma grande sœur Nono et puis moi. Il y a 5 vestiges circulaires qui sont tombés sur notre village. Faut encore que j'en dessine 3. C'est mignon. Bon là tu dessines rien. Hein. Bon on va attendre. Ah mais si c'est bon. Elle est là. Salut! Que dirais-tu d'un cercle floral en souvenir? Je les vends 5 rubis pièces. Je t'en prends un. Ah, laisse-moi juste y ajouter une touche finale avec un peu d'amour. Mouah. Bon, je fais un bisou sur la cercle floral, c'est gentil. Bah, c'est pour toi. On est fermé là. Comment ça, on est fermé? Oui, donc je ne peux effectivement. Ouais, ça va être compliqué de faire autrement. On va devoir y aller. On va devoir y aller là. Alors. On sort ça. On sort ça. Alors. On va en profiter, je vais juste sortir. Un pic comme ça, hop. Vous me permettez? Je me permets de toute façon. La question c'est, est-ce que je peux avancer autrement que droit? Avec ça. Enfin, est-ce que je peux avancer tout simplement? Est-ce que je ne suis pas contraint? À moins que je mette ça comme ça. Que ça marche ça. Hop. Est-ce que ça décolle? Parce que si ça décolle, on est bien. On avance, on décolle. C'est parfait.
Hop. Je mets ça là. Direction le désert Gerudo. Allez. Ça lag avec la pluie. C'est parfait. Ah, le truc c'est que je peux pas avancer là. Je peux diriger mais je peux pas aller plus vite, que je suis obligé de monter. Ce qui n'est pas une très bonne chose en soi. Ça, je prends de la hauteur, c'est cool, mais... Je vais pas bien... Je vais pas les... En plus, je vais pas dans... du tout dans la bonne direction. C'est parfait. Ouais. Ça, je suis loin d'avancer vite, là. Il y a ici un vestige, ok. Ouais, donc on va changer. On va changer le design. Laurent Pommeau, c'est pas cool. Est-ce que vaut mieux faire ça? Mépris de la gravité. Bah non, je peux plus avancer du coup. Non, on va vraiment prendre. On va vraiment prendre ça. Non, pas deux. Oh non, j'en ai sorti deux. Bon bah tant pis. Trouvez-vous. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Hop. Alors, on vient le rampomo. J'en mets un. J'en mets deux. Ouais, alors la même hauteur, ce serait mieux quand même. Ouais, alors ça, c'est pas la même hauteur. Je le mets dans le coin comme ça peut-être. Ça me paraît mieux. Là, ce qui est bien, c'est que ça reste droit. Hop. Je le mets dans le coin. Où je suis là. Hop. Ça comme ça. Allez. C'est pas très droit tout ça. Lui, il est pas bien. Pas bien lui. Ah, y'a un giga. Mais dégage! Tu vois pas que je suis en train de construire un truc là? Non mais. Hop! Au milieu. J'en rajoute un comme ça. C'est pas mal. Prendre ma fleur. Hop. Que je mets devant. Ouais. C'est pas mal. C'est pas nul nul. C'est pas incroyable. Hein. On va mettre du temps à arriver là. Hein. On va mettre du temps à arriver. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut. Hein.
Parce que j'ai pas trop le choix, je peux pas faire autrement. Je pourrais prendre un véhicule, mais est-ce que ça aurait vraiment un intérêt de prendre un véhicule sur Terre? Autant passer par les airs, hein. C'est le plus rapide, les airs. Après, là, c'est vrai qu'on traîne un peu du fiac. Est-ce qu'il faudrait pas que je rajoute des ventilos? En vrai. On n'avance pas très droit. On est un peu sur le côté, alors je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas droit? Mais légèrement en diagonale, je ne sais pas. Probablement qu'à droite, ils sont un peu plus hauts. Effectivement. Bizarre. Bon, on va quand même s'arrêter là pour rajouter des ventilos parce que sinon on traîne. Hein. Là, on se traîne. Si j'en rajoute 2, 3, 4, ouais, 4, ça me paraît bien. 2 à l'arrière et 2 sur les côtés là au milieu. Ça me paraît ok. Donc, on va s'arrêter. Ah non! Non, pas dans la flotte. Ceci est un fail. Cela dit, c'est un fail qui ne nous aura pas coûté non plus trop cher, mais... Alors, 4. 1, 2, 3 et 4. Là, au moins, ils sont alignés. Que je fais ça comme ça. À la base, j'avais pas prévu ça comme ça, mais ça sera peut-être mieux. Non, parce que là, ça s'équilibre pas. Là, c'est pas bon. Je crois que comme ça c'est pas mal. Hop. Parce que là on n'aurait pas le turbo 2000 là. On commence à avoir une machine qui fait bien laguer le jeu comme il faut là. Parfait. Faut y rajouter des fusées. Là, les flux d'air, là, le jeu, il est un peu en panique, là. Le framerate, il est à 15, là. Et là, c'est mieux. Ok, on s'est éloigné du sol. C'est un peu mieux. Est-ce qu'on va vraiment plus vite? Un peu quand même, ouais. C'est pas vraiment plus vite, mais on va plus vite. Je vais à peu près dans la bonne direction. Ouais, ça tourne tout seul. Ça lag, hein. Ça lag. Est-ce que c'est Yunobo qui fait laguer, vous pensez? Moi, je ne pense pas, mais... Ouais. C'est clairement les ventilos, hein. Il y a un peu trop de ventilo. En tout cas, c'est joli, là, l'éclairage. On va aller se prendre un... gros truc, là. Hop. Par type, très bien. Ils sont où? Voilà. Comme ça, on est au max. On en profite. Contre Gerudo, on arrive. Parce que ça recharge tout. Ça, c'est quand même vachement pratique. Parce que là, on a toute une période où on n'utilise pas.
J'aurais pu mettre une batterie, c'est vrai. Et surtout, ça recharge toute la batterie. C'est quand même pas dégueulasse. Là, on a un feu de camp. On va y arriver, hein, on va y arriver. Ça va prendre son petit temps, mais on va y arriver. D'ailleurs, on va couper l'épisode ici. On se retrouve dans le prochain pour la suite du trajet du voyage. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.